La fête des secrétaires est une fête annuelle qui réunit périodiquement ces femmes secrétaires et assistantes de bureau. Elle est célébrée chaque troisième jeudi du mois d'avril. Son objectif est de promouvoir le métier de secrétariat. Plus d'une centaine de secrétaires des secteurs publics, privés et mixtes ont pris part à la fête. Une occasion pour elles de parler de leur métier. La secrétaire est la première personne de contact, elle est la dernière personne de contact. Elle est le pilier de l'administration, elle est la pierre angulaire dans l'administration, elle est la plaque tournante, elle est toutes les qualités qu'on peut lui attribuer. Dans les entreprises où on leur demande d'être polyvalentes, les secrétaires sont constamment sollicités pour résoudre les problèmes liés aux agendas et autres calendriers des responsables. D'où la nécessité pour la présidente du Conseil économique et social de rappeler l'importance de ce métier. Il ne faut pas avoir honte d'être secrétaire parce que c'est un métier vraiment noble. C'est un métier qui réconforte les uns et les autres. Moi, je suis toute fière que mon origine soit du groupe des secrétaires. Ces secrétaires passent plusieurs heures assises. Elles doivent à cet effet pratiquer des exercices sportifs pour se tenir en forme, précise la présidente du réseau. Qui dit la secrétaire dit sport forcément. Le métier nous impose une stature assise au courant d'une quarantaine d'années d'exercice de la profession. Je me suis dit pourquoi pas ne pas revenir à cette habitude. Des hommages ont été rendus à Adiara Bietoussera Diallo, ancienne secrétaire de direction, et à Saoudatou Keïta, ainsi qu'à Feu Adiandei Tirankembaye et à Feu Blanche Bakeneke, présidente de la Fédération camerounaise des secrétaires, décédée le 11 avril dernier.